Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tuto carte de Noël. Donc je vais réaliser cette carte avec l'un des trois dies que j'avais eu en partenariat avec Bibi Crab. Donc je vais me servir surtout de celui-ci que j'aime beaucoup. Donc il nous donne ceci, il est vraiment très joli. Ensuite on aura besoin d'un bloc de cartes de chez Action. Donc ça moi c'en est un de l'année dernière, cette année j'en ai pas acheté puisqu'il m'en restait encore de l'année passée. Ensuite, on aura besoin d'une double carte. Donc là, moi, j'ai choisi une carte craft. Donc, j'ai pris une double carte de chez Action, donc les 15-15, que j'ai retaillé à la dimension de la carte que j'ai choisie dans mon bloc. Donc là, j'ai déjà préparé tout en amont. Donc, j'ai pris quelques die cuts, j'ai pas tout pris. Donc ensuite, je vais venir coller mon fond de carte ici sur ma double carte. Donc ça va être juste pile poil puisque les cartes ne font pas 15 mais elles font 14,2 et les cartes craft également. Donc mon fond de carte va aller juste. Par contre, mon dice, lui, il fait bien, enfin ma découpe, elle fait bien 15-15. Donc elle va dépasser un peu. Donc je la recouperai peut-être une fois que je l'aurai collée. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici je vais coller mon fond de carte donc sur ma double carte. Ensuite je vais venir coller également mes die cuts. Donc là je vais placer ce fond comme ceci. Ici je vais venir mettre le Père Noël en 3D que je vais venir coller à côté du cadre ici. Et j'ai également pris un sentiment que je viendrai coller ici. Et ensuite, je vais venir coller ma découpe par-dessus, ici. Comme ceci. Donc, c'est vraiment une petite carte toute simple, mais j'aime beaucoup le rendu. Donc, je colle tout et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai terminé de tout coller. Donc j'aime beaucoup le rendu avec la découpe. Donc ici, j'ai recoupé puisqu'elle dépassait un petit peu. Donc je vous avoue qu'à coller, c'est pas simple. Mais en tout cas, les dies de chez Bibi Craft sont d'une très bonne qualité. Ils découpent très bien. Donc si ça vous intéresse, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Donc c'était un petit tuto très simple, mais j'aime beaucoup le rendu de la carte. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye !